Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22h, voici les principaux titres de cette édition. Les gardes-côtes djiboutiens célèbrent aujourd'hui le 7e anniversaire de la création sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Et le ministre de l'Intérieur annonce le calendrier des prochaines échéances législatives du 23 février prochain. Et shutdown, le bras de fer entre démocrates et républicains, donc continue au Congrès. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence de Mohamed Ali Hamed, la 6e séance de la 2e session ordinaire de l'année 2018 de la 7e législature de l'Assemblée nationale s'est tenue ce lundi dans les arcanes du Parlement. Cette séance qui a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires avait pour ordre du jour l'examen de 7 projets de loi, à savoir un projet de loi portant ratification de la Convention sur la reconnaissance des études et des certifications, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États d'Afrique, un projet de loi relatif à la promotion et la protection des droits des personnes à besoins spéciaux, un projet de loi portant ratification de la Convention de prêt conclu entre la République de Djibouti et le Fonds saoudien pour le développement et portant sur le financement du projet de réhabilitation de la route Djibouti-Tadjoura, un projet de loi relatif à la promotion et la protection des droits des personnes âgées, un projet de loi également portant sur la sûreté de l'exploitation des chemins de fer, un projet de loi portant ratification du protocole d'accord entre le gouvernement de la République de Djibouti et le gouvernement de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie relatif à la création d'un poste frontalier commun et enfin un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, pour l'exercice 2015. Par ailleurs, cette séance plénière est particulière car elle marque la fin de la 7e législature. Et par la suite, donc, une séance de questions-réponses en est suivie entre les parlementaires et les membres du gouvernement concernant les différents projets de loi inscrits à l'ordre du jour de cette séance. Regardez. Il n'est pas question de la création ni de la mise en place du chemin de fer ni de la société des chemins de fer de Djibouti ni de la construction de la voie ferrée. Il est question de responsabilité. Il est question de responsabilité et surtout de prendre en compte le bien-être des Djiboutiens, surtout des nomades et de leurs troupeaux. Le fait qu'on ait pensé à faire le train, ça a été une réussite. Sa mise en service est encore une réussite. Qu'on pense également aujourd'hui à prendre en charge la sécurité et, du troupeau et des nomades et de toute personne qui sera affectée par ça est une encore grande chose. Comme la ministre l'avait rappelé, après donc les personnes à besoins spécifiques, les personnes dépendantes, voilà, les personnes âgées aussi sont couvertes. La question est de savoir, est-ce que c'est global, je veux dire, est-ce qu'il y a donc doublant, les personnes âgées peuvent-ils bénéficier, les personnes dépendantes. Donc, quelles sont l'application exacte de ces 3 projets de loi qui viennent de donc passer à l'Assemblée nationale. Et nous exhortons donc la ministre, la secrétaire d'État, à veiller à ce que les droits de ces personnes soient alloués, donc pour que ces personnes puissent être maintenues dans leur foyer familial et qu'elles puissent garder leur dignité. Je vous remercie, monsieur le ministre. Pour ce qui est de la police ferroviaire, la police ferroviaire est indépendante, elle n'est pas sous la tutelle du ministère de l'équipement et des transports, mais elle reste toujours sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. La police ferroviaire est toujours, c'est la police de PAF qui va assurer l'entrée et la sortie pour le visa et pour toute déclaration. Pour ce qui est de la société privée, qui avait jusqu'à aujourd'hui qui sécurisait Doralé jusqu'à Nagat, va bientôt arrêter parce qu'ils attendaient que nous créions la police ferroviaire et la gendarmerie ferroviaire pour ils avaient juste l'intérim. Il va dans le même sens que le texte précédent, mais lui spécifique aux personnes âgées.
il y a eu des consonances qui ont été tout à l'heure faites par rapport au centre d'accueil des personnes âgées, qui est un texte qui est déjà passé à l'Assemblée, le centre d'accueil, destiné aux populations âgées abandonnées et dans une situation de vulnérabilité. Ce texte en question, lui, présente la protection et la promotion des droits des personnes âgées en situation qui sont dans les familles pour renforcer leur position, mais pour également leur donner la capacité de pouvoir être assistés et accompagnés pour qu'ils puissent être éligibles aux programmes sociaux, pour qu'ils puissent aussi bénéficier des différents appuis proposés par le gouvernement. Donc ce texte va dans le sens de la protection sociale inclusive. Et en fin de séance, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a fait un discours dans lequel il a vanté les mérites des travaux accomplis durant ces 5 dernières années par les représentants du peuple, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Le chef de l'hémicycle a également profité de cette occasion pour dresser un bilan des grandes réalisations effectuées durant cette législature. Il a affirmé donc, je cite, « Tout au long de cette législature, les élus du peuple se sont dignement et avec abnégation acquittés de leurs travaux ». Je vous propose de le suivre. Mesdames et messieurs, durant cette législature, de par son rôle de législation et de contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques, les parlementaires ont permis au pouvoir exécutif de mettre en œuvre la vision ambitieuse de la politique économique et sociale initiée par le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. En outre, vous conviendrez avec moi que la mission du parlementaire n'est pas unilatérale et les tâches qui lui sont dévolues ne sont pas strictement prédéfinies. L'élu du peuple, au-delà de sa mission ordinaire, porte en lui la lourde tâche pédagogique consistant au quotidien à informer, expliquer, convaincre et même associer les électeurs aux enjeux majeurs contribuant en toute bonne foi au développement et à la modernisation de notre pays. Mesdames et messieurs, la clôture de cette séance, c'est pour moi et pour moi une occasion agréable de dresser un bilan bref mais concis des grandes réalisations effectuées durant cette législature. Tout au long de cette législature, les élus du peuple se sont dignement et avec abnégation acquittés de leurs travaux. Ainsi, la 7e législature qui s'achève aujourd'hui aura adopté plus de 220 lois. Plus de 240 réunions de commissions permanentes, cette session extraordinaire, 3 propositions de résolution, 100 de questions d'actualité au gouvernement, 5 déclarations de politique générale, 10 débats d'orientation budgétaire au sein des commissions, pour ne citer que cela. Ces lois ont indubitablement permis de renforcer notre démocratie et consolider notre économie nationale. Je reviendrai sur quelques-unes d'entre elles. Chers collègues, nous savons ô combien la mission que nous est confiée par le peuple est noble mais exigeante. Nous l'avons assumée en tout lieu et à tout moment, tout en sachant qu'il nous faut de la hauteur, du sacrifice et de l'abnégation. D'ailleurs, le président Hamad a affirmé que durant cette législature, de par son rôle de législation et de contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques, les parlementaires ont permis au pouvoir exécutif de mettre en œuvre la vision ambitieuse de la politique économique et sociale initiée par le président Guelleh. Pour conclure, le président Hamad a abordé la question des élections législatives qui approchent et dont le déroulement sans heurte et constant illustre la maturité démocratique de notre pays. Sur ce, a-t-il affirmé, souhaite donc rappeler aux candidats de tous bords de faire preuve de maturité, de tolérance et de civisme. Sincérité et de bon cœur, permettez-moi de féliciter sans distinction aucune l'ensemble des commissaires, les présidents de commission et les groupes parlementaires de la majorité comme de l'opposition. Mesdames et Messieurs le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, cette législature a également été celle du contrôle de l'action gouvernementale. Donnant une priorité importante à ces volets de leur mission et ce conformément à leurs prérogatives constitutionnelles. Je reconnais que les habitants de cet hémicycle, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ne vous ont pas toujours ménagé dans leur action au sein et en dehors de l'Assemblée nationale.
Au sein de l'Assemblée nationale, ils ont émis des observations, formulé des critiques parfois virulentes, exposé des arguments. En dehors de la maison, les députés ont organisé plusieurs missions d'information sur l'ensemble du territoire national, ont fait des descentes sur les grands chantiers, en cours pour effectuer un état des lieux des travaux ou encore auditionner les membres du gouvernement afin qu'ils justifient les dépenses budgétaires. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, démocratie oblige. Toutefois, je tenais à remercier en mon nom personnel et au nom de mes collègues, le Premier ministre et les membres du gouvernement pour leur assiduité, leur ponctualité et leur sens du devoir. Monsieur le Premier ministre, votre distinguée présence ce jour honore une fois de plus la représentation nationale. C'est le lieu pour l'ensemble des élus de cette législature de vous exprimer leur sincère gratitude pour avoir été régulier et constant aux séances d'ouverture et de clôture tout au long de la mandature qui s'achève. Monsieur le Premier ministre, de par notre tradition et notre culture politique et dans l'intérêt général, le pouvoir exécutif et législatif ont aussi conjugué leurs efforts, chacun dans la limite de leurs prérogatives afin d'atteindre les objectifs fixés par la feuille de route du président de la République, son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh. Et les gardes-côtes djiboutiens ont célébré aujourd'hui le 7e anniversaire de la création de l'institution sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Ce corps donc est entièrement dédié à la surveillance du domaine maritime de la République de Djibouti. À son arrivée sur les lieux, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, et par le commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Borore. Avant de prendre place à la tribune officielle, le Premier ministre a passé en revue une unité des gardes-côtes, donc, outre le Premier ministre, le ministre des Transports, ministre tutelle des gardes-côtes. La cérémonie a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de la police, le colonel Abdillahi Abdi, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, l'ambassadeur de l'Union européenne et de nombreuses autres personnalités. Une démonstration des arts martiaux a été faite par le commando des gardes-côtes. Et à l'occasion de ce 7e anniversaire des gardes-côtes, le colonel Waïs Omar Borore s'est félicité donc du recrutement de 360 nouveaux jeunes après leur succès à la formation militaire. On l'écoute. Or, ça repie, la garde-côte djiboutienne a enregistré le début cette année le recrutement de 360 nouveaux jeunes diplômés et peut ainsi se prévaloir de leur avoir prodigué avec une réelle autonomie couronnée de succès quant à leur formation spécifique et leur formation de base puisque les commandements et les encadrants qui ont rendu possible la réussite de ces deux formations appartenant tous à la garde-côte djiboutienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'appartient d'insister sur le fait que les activités illégales, réelles que la pêche illégale, telles que la pêche illégale, l'immigration clandestine et les contrebandes de marchandises qui constituent un frein pour l'économie nationale à une violation pour l'intégrité territoriale, ont encore chuté depuis l'année passée, donnant raison aux patrouilles minutieuses et aux patrouilles permanentes des agents de la garde-côte djiboutienne, garantissant ainsi la sécurité et la sérénité au domaine maritime djiboutien et celui de la région. En effet, permettez-moi de partager avec vous ma satisfaction concernant
la nouvelle dimension et la consistance du travail remarquable rendu possible par le soutien permanent du président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Barghele, et de son gouvernement, et la contribution et assistance continue du pays frère et ami. En matière d'infrastructure d'équipement naval, la garde-côte se félicite à l'acquisition avec les fonds du gouvernement djiboutien, 7 frères rapides de 10 mètres et 9 mètres, qui viennent renforcer l'armada navale de l'institution et qui font à coup sûr apporter leur pierre à l'édifice grandissante en perpétuelle évolution. La finalisation du projet de la construction des camps de Doralé par les fonds aussi financés et réalisés par le gouvernement djiboutien est désormais à portée de main à son inauguration et projetée en futur très proche. La stratégie de formation de l'institution a été une nouvelle fois et une année et de priorité de l'institution ainsi. Des centaines de nos agents ont pu bénéficier des formations à l'étranger et à l'intérieur aussi. Qu'il me soit permis d'adresser un remerciement sans ce qui foque au président de la République, Son Excellence M. Ismaïl Barghele, pour l'importance privilégiée qu'il porte à l'évolution de la garde-côte djiboutienne, mais aussi des soutiens inconditionnels et indéfectibles qui nous accompagne depuis la création de la garde-côte djiboutienne et qui justifie le développement fulgurant atteint aussi peu de temps de la garde-côte djiboutienne. Et pour sa part, prenant la parole, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader, a longuement fait l'éloge du travail fourni et le rôle primordial que les gardes-côtes tiennent dans la sécurisation maritime. On l'écoute. Il y a quelques années encore, notre espace maritime n'était pas moins d'un passoire. Nos côtes constituaient refuge pour tous les trafiquants de tout genre. Des bâtiments de pêche étrangers puisaient illégalement nos ressources en toute quiétude. La transgression transfrontalière des espaces maritimes existe dans toute la mer, en effet, depuis la nuit des temps, certes, mais il appartient à chaque pays à sécuriser son espace maritime et de préserver ses ressources. Il y va de la souveraineté nationale. C'est dans ces soucis de sécurisation et d'intégrité de notre espace maritime qu'a été créée cette institution de la garde-côte djiboutienne dont nous célébrons son 7e anniversaire aujourd'hui. Depuis sa création, le gouvernement n'a ménagé aucun effort en hommes et en matériel avec des lignes budgétaires de fonctionnement croissantes d'année en année. Le recrutement des agents chaque année, qui certes représente un coût assez conséquent, mais avec l'entière conviction que la souveraineté et l'intégrité n'a pas de prix. C'est pourquoi j'appelle à la conscience de tous les hommes et des femmes constitués de cette institution au nom de la République et au nom de l'intégrité et de la souveraineté nationale que vous devez faire preuve de patriotisme et d'efficacité quant à l'exécution des missions qui vous en sont assignées. Qu'il me soit permis de rappeler aussi au commandement de la garde-côte au titre des représentants de l'action des puissances publiques de l'État en mer, vous assurez la surveillance permanente de l'espace maritime national et vous devez agir en harmonie avec l'ensemble des départements ministériels à compétences maritimes. Eu égard de l'insensité quotidienne de la lutte contre toutes les formes d'activité illégale et criminelle dans les eaux sous la juridiction de la République de Djibouti, qui constitue la mission de la garde-côte, s'ajoute aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans le savoir, la situation d'insécurité qui prévaut la région, ce qui obligera à doubler d'efforts et de rester sur ses gardes. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui une centaine d'agents sont à leur première cérémonie. Nous leur souhaitons certes une bonne carrière, un avenir radieux, mais aussi nous leur rappelons qu'aujourd'hui ils intègrent une nouvelle famille. Et que par conséquent, ils doivent vivre avec les valeurs républicaines que cette institution incarne. Je tiens à féliciter les commandants et les hommes et les femmes de la garde-côte djiboutienne qui œuvrent jour et nuit à assurer les missions qui leur sont assignées avec professionnalisme.
abnégation et patriotisme. Et clôturons la série des interventions donc lors de cette cérémonie. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a salué donc l'efficacité des gardes-côtes djiboutiens pour la sécurité et la sûreté maritime ainsi que la protection de l'environnement marin. Le Premier ministre a indiqué que 20 000 navires transitent par les eaux djiboutiennes et le détroit de Bab el-Mandeb. Ainsi donc il est primordial de garantir la libre circulation des biens et des personnes. Je vous propose de l'écouter. Je suis heureux de me retrouver parmi vous pour fêter ce 7e anniversaire de la création des gardes-côtes. 7 ans, cela paraît peu, mais je me réjouis d'avoir pu constater tout au long de l'année votre efficacité dans les multiples actions que vous avez conduites afin de participer avec vos moyens à l'action de l'État en mer dans les domaines de la sécurité, de la sûreté maritime, mais ainsi que la protection de l'environnement marin. Avec votre création, le dispositif national de surveillance et de protection de nos frontières maritimes a été parachevé. Ainsi, on constate la concrétisation de la vision du président de la République de doter les pays des moyens de garantir la sécurité et la sûreté de notre espace maritime. Dans ce nouvel environnement stratégique, le transport maritime constitue le socle des échanges des biens avec 90% des marchandises qui transitent par la mer sous la forme des matières premières, des produits manufacturés ou encore des flux énergétiques. L'espace maritime mérite donc une attention soutenue et doit être sécurisé dans la zone sensible des transitions entre la haute mer et le littoral. Cette préoccupation n'est pas seulement celle des nations côtières, mais aussi celle des pays enclavés qui possèdent un droit d'accès à la mer. L'espace maritime représente donc un enjeu économique, social et sécuritaire majeur pour notre pays. D'ailleurs, pour la République de Djibouti, qui possède une position stratégique exceptionnelle avec le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb, et de la capacité et le débouché maritime des pays voisins enclavés. L'espace maritime représente une opportunité de développement considérable. C'est ainsi que la République de Djibouti doit faire face à de nombreux défis sécuritaires qui sont d'un point de vue maritime, l'instabilité régionale, le contentieux frontalier, les mouvements des populations, les trafics en tout genre, le terrorisme et la piraterie. De plus, les troubles qui se produisent au Yémen, l'instabilité au Sud-Soudan et la situation en Somalie sont autant d'événements qui génèrent des risques pour notre pays. En conséquence, les eaux territoriales requièrent un dispositif de surveillance robuste qui coordonne l'emploi des moyens maritimes et serve d'interface avec les services de sécurité à terre. C'est ainsi qu'il est primordial de garantir le libre accès de circulation des biens et des personnes dans les eaux djiboutiennes et dans les détroits de Bab el-Mandeb où transitent plus de 20 000 navires par an. D'ailleurs, notre économie tirée par les activités portuaires est aussi une des raisons qui ont motivé la mise en place de cette force des gardes-côtes qui assure jour et nuit, dans toutes les conditions, l'intégrité des complexes portuaires. C'est ainsi que le prépositionnement des moyens appropriés vous avez réduit les délais d'intervention. Commandant des gardes-côtes, je vous encourage à poursuivre inlassablement la formation de vos personnels, car c'est l'assurance de l'aptitude au bon exercice de vos missions. Aujourd'hui, vous disposez des moyens d'intervention rapide qui ont été mis à votre disposition par des pays amis. Et j'en profite aussi pour exprimer la reconnaissance et la gratitude du gouvernement de Djibouti à l'ensemble des partenaires internationaux, notamment le Japon, mais également les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Chine et l'Union européenne pour le soutien qu'ils font preuve à l'égard des gardes-côtes djiboutiennes.
Et après les discours officiels, le colonel Waïs Omar Bogoré donc s'est vu attribuer des mains du Premier ministre la médaille de la défense du territoire avec une palme de bronze. Ensuite, donc, le ministre de l'équipement et des transports a décerné le commandant donc Mohamed Adaou Mohamed la médaille d'honneur de la nation avec palme de bronze. Plusieurs personnels civils contractuels ont élevé donc au grade de chevalier de l'ordre national du 27 juin. La cérémonie du 7e anniversaire donc de la création des gardes-côtes a pris fin autour d'un déjeuner au bord de la mer et une parade navale se déroulait donc. Dans cette parade navale, les gardes-côtes djiboutiens donc ont présenté leurs moyens aux officiels présents à cette cérémonie, comme donc le patrouilleur Ali Oudoum, les patrouilleurs P5 et P6, le patrouilleur Defender 1 de type Zodiac, deux patrouilleurs rapides 11 mètres de long, six vedettes légères engagées dans les opérations quotidiennes de patrouille de surveillance maritime des installations portuaires et enfin 6 embarcations légères qui sont donc principalement utilisées pour les missions d'intervention dans les eaux peu profondes et la surveillance des plages. En nouvelle nationale toujours, à l'approche des élections législatives du 23 février prochain, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a dans une déclaration faite aujourd'hui devant la presse, annoncé le calendrier du déroulement des élections. Dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur a indiqué que toutes les dispositions ont été prises au niveau de son département pour la tenue de ces élections dans les meilleures conditions, à savoir la révision des listes électorales ainsi que les dispositions au niveau des bureaux des votes. On écoute le ministre. C'est toujours avec le sentiment de devoir et de fierté que je m'adresse à vous, mes chères citoyennes et citoyens, à chaque échéance électorale que j'ai l'honneur de superviser en ma qualité de ministre de l'Intérieur. À ces propos, qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, de réitérer mes vifs remerciements à l'endroit du chef de l'État, Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour sa confiance en me nommant à la tête de cet important département. Depuis son accession à la souveraineté nationale, notre pays a régulièrement tenu des échéances électorales à intervalles réguliers et s'est enrichi au fil des années des leçons et expériences engrangées en matière de gestion du processus électoral. Et comme vous le savez, cette année, nous nous apprêtons à organiser le vendredi 23 février 2018 des élections législatives. Ces scrutins législatifs revêtent une importance particulière et suscitent enthousiasme et engouement au sein de la population. En effet, la promulgation d'une loi portant le quota des femmes élues à l'Assemblée nationale à au moins 25% ouvre de nouvelles perspectives et confère à ces scrutins législatifs une atmosphère singulière. Initiée par le président de la République, cette loi permettra sans doute l'entrée d'un nombre significatif de femmes dans l'hémicycle ainsi que dans les diverses instances décisionnelles. En ce qui concerne les préparatifs en vue de l'organisation du scrutin législatif du vendredi 23 février 2018, l'administration du ministère de l'Intérieur a entamé les préparatifs de ce processus électoral depuis un certain temps. En effet, ces préparatifs ont débuté
par la révision du fichier électoral, opération qui s'est déroulée du 12 avril au 30 septembre 2017. Cette ouverture exceptionnelle du fichier électoral, décidée par décret présidentiel numéro 2017-138-PRMI, a permis à nos concitoyennes et concitoyens non inscrits sur les listes électorales et âgés de 18 ans révolus au jour du scrutin de s'inscrire dans leur commune ou région de résidence. Pour le nombre sur la liste électorale, pour le nombre d'inscrits sur la liste électorale, il est de 194 169 électeurs sur l'ensemble du territoire. Ils se répartissent comme suit. Djibouti, 125 689. Dikil, 19 513. Arta, 8355. Ali Sebié, 13801. Obok, 9920. Tadjoura, 16891. Le nombre de bureaux de vote retenus à la suite des découpages électoraux effectués par la direction des élections, en étroite collaboration avec les autorités préfectorales, est de 468 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Ces bureaux de vote se répartissent ainsi. Djibouti, 269 bureaux. Ata, 23 bureaux. Ali Sebié, 38 bureaux. Dikil, 57 bureaux. Tadjoura, 48 bureaux. Obok, 33 bureaux. L'emplacement et la répartition des bureaux de vote répond au souci de faciliter l'accès des électeurs à leur lieu de vote tout en leur garantissant une meilleure fluidité lors du vote dans les bureaux. Ainsi, chaque bureau de vote ne comprend pas plus de 500 électeurs. La distribution des cartes électorales a commencé sur l'ensemble du territoire national. Elles sont disponibles à Djiboutiville et dans les préfectures des régions, ainsi dans les sous-préfectures, et pourront être retirées matin et après-midi. Chaque échéance électorale, qu'elle soit présidentielle, législative ou locale, représente une formidable opportunité pour chaque citoyenne et citoyen électeur de faire entendre sa voix. Car les élections demeurent incontestablement le meilleur moyen garantissant au peuple une expression libre et démocratique par le renouvellement de leurs représentants. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a par ailleurs annoncé que les cartes d'électeurs sont d'ores et déjà disponibles dans toutes les préfectures, sous-préfectures et bureaux de vote et que l'administration préfectorale a été renforcée pour assurer une distribution optimale. Le ministre de l'Intérieur a à cette occasion invité ses concitoyens à ne pas attendre donc le dernier jour pour récupérer leurs cartes d'électeurs afin de s'acquitter de leur devoir de citoyen. On l'écoute. Je vous invite tous, mes chers concitoyennes et concitoyens, à récupérer dans les meilleurs délais vos cartes d'électeur pour vous acquitter de votre droit inaliénable de citoyen. À noter en outre que la période de dépôt des candidatures prendra fin le jeudi 25 janvier 2018. Je rappelle pour mémoire que les listes des candidatures sont déposés en double exemplaire au ministère de l'Intérieur. Seuls les partis politiques ou groupements des partis politiques sont habilités à présenter des candidats. La liste de candidatures doit mentionner les noms
la profession, la date et le lieu de naissance des candidats ainsi que le lieu de leur domicile. Elles doivent être accompagnées de un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un extrait d'acte de naissance, un certificat de résidence, ainsi que des précisions sur le titre de la liste, l'emblème et la couleur choisie pour l'impression des bulletins de vote. En application de l'article 1er de la loi numéro 219-AN-18, 7e législature, du janvier 2018, les partis politiques ou groupements de partis politiques concourant à l'expression de suffrage doivent présenter des listes comprenant au moins 25% des femmes à des positions éligibles. Toute liste établie en violation de l'article précité est irrécevable. Lors du dépôt, il est immédiatement délivré aux déposants de la liste un récépissé provisoire. La délivrance d'un récépissé définitif intervient après la validation de la candidature et le versement auprès du trésorier payeur national d'une caution de 500 000 francs djibouti par candidat. Quant à la campagne électorale, elle débutera le vendredi 9 février 2018 et prendra fin le mercredi 21 février 2018 à 0h. Toutes les dispositions administratives et sécuritaires seront prises pour que la période de la campagne électorale se déroule sereinement. Chères citoyennes et citoyens, je saisis l'occasion de cette allocution pour réaffirmer l'engagement de l'administration du ministère de l'Intérieur à œuvrer aux côtés des autres institutions concernées par le processus électoral pour que ces élections législatives se déroulent dans de bonnes conditions, de manière libre, transparente et crédible. Comme mentionné plus haut, à chaque scrutin, notre pays renforce et consolide sa démocratie et veille à sauvegarder jalousement les acquis démocratiques engrangés. Vive la République de Djibouti, vive le peuple djiboutien et que la démocratie gagne. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et en marge, Ali, donc, de la déclaration du ministre que nous venons de suivre, les membres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, ont effectué aujourd'hui une tournée donc à la préfecture de Djiboutiville dans plusieurs arrondissements afin de s'enquérir des dispositions prises pour la distribution des cartes d'électeurs et ce, en prévision des prochaines législatives prévues pour le vendredi 23 février prochain. Effectivement, donc, la commission Ahmed, conduite par son président, Dini Mohamed Burhan, s'est rendue tout d'abord à la préfecture où il a pu constater donc, et s'entretenir avec le préfet de Djiboutiville, Ousmane Bilé-Guiri. Ensuite, la commission s'est dirigée vers le 4e arrondissement afin de vérifier l'état des préparatifs en vue de remettre les cartes électorales aux concitoyens en âge de voter. Sur place, les membres de la CENI ont été accueillis par le sous-préfet du 4e arrondissement, Awal Chidé. Toutes les dispositions donc, semblent avoir été prises afin que le vote se déroule normalement. Plusieurs bureaux ont été inspectés et des questions posées aux agents en fonction donc, qui demeurent sereins et sont prêts donc, à répondre aux demandes des électeurs. Puis les membres de la CENI se sont dirigés au 5e arrondissement pour également donc contrôler l'état des préparatifs. Ils se sont entretenus sur place en premier lieu avec le sous-préfet du 5e arrondissement, Daoud Roumanié. Le scrutin Ahmad pour les prochaines élections législatives est prévu pour le dernier vendredi du mois de février, soit le 23 février. Je l'ai retrouvé ici, les cartes sont disponibles.
D'après les statistiques que le sous-préfet nous a remis, les cartes avancent très bien, les distributions avancent très bien depuis hier. Et j'appelle ceux qui n'ont pas encore retiré de venir retirer et d'exprimer leur voix à qui ils veulent, mais ils doivent exprimer leur droit de citoyen. Alors Ali, toutes les circonscriptions de Djiboutiville et dans les régions de l'intérieur vivent également la même ferveur afin que soit respecté dans les délais le déroulement des prochaines législatives. Eh bien donc Ali Sabillé, cette fois toutes les mesures ont été prises pour le découpage, la signature et la distribution des cartes de votants. Ces préparatifs se déroulent sous la supervision du préfet de la région Mohamed Wabri Assoui. Les membres de la commission nationale électorale indépendante donc, ont été subdivisés en plusieurs équipes afin de s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs. L'échéance s'approchant à grands pas, les cartes d'électeurs pour l'ensemble de la région d'Ali Sabillé ont été signées, tamponnées, découpées et regroupées. Elles seront donc à présent remises aux électeurs qui doivent s'empresser de les récupérer afin que les taux de participation soient satisfaisants. Il faut le dire, donc le vote est un droit civique et citoyen que tout adulte en âge de voter se doit d'accomplir. En s'en cependant privé, Ahmad, ceux qui ont été condamnés par la justice de la perte de leurs droits civiques une période donnée. La préfecture d'Ali Sabillé a en outre mis sur pied une équipe mobile pour la distribution des cartes d'électeurs dans les localités viennent dans la sous-préfecture de la région d'Ali Sabillé. Merci Ali pour toutes ces précisions. Toujours en nouvelle nationale, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu dans son cabinet la visite d'une importante délégation conduite par le PDG de la société chinoise GCL Group, Zhu. Et donc en rappelant que la société Poly-GCL, joint venture entre la société GCL Group et China Poly Group, conduite par le méga projet gazier sino-éthiopien djiboutien. Et le gaz extrait en Éthiopie sera acheminé par gazoduc sur une distance de 700 km jusqu'à Damerjo, Gousra. Construite une usine de liquéfaction qui produira jusqu'à 10 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. La visite de M. Zhu fait suite à la signature en novembre dernier d'un protocole d'entente entre Djibouti et la société Poly-GCL ainsi qu'à la visite donc en Chine, du président de la République durant le même mois. M. Zhu donc a rappelé l'intérêt majeur de ce projet pour les deux parties et qu'il est désormais inscrit dans la stratégie chinoise de nouvelles routes de la soie appelée One Belt, One Road. Le ministre de l'Énergie s'est dit donc confiant pour l'aboutissement de ce projet et souligné que ce partenariat bénéficiera de l'appui sans faille du gouvernement afin de permettre un développement du tissu industriel de la République de Djibouti. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a organisé hier à l'Université de Djibouti un atelier sur les perspectives de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en partenariat avec la Banque mondiale. L'objectif de cet atelier était de démontrer le rôle que peut jouer l'enseignement supérieur dans le processus de développement socio-économique du pays ainsi que la résurgence d'un intérêt pour l'enseignement supérieur. Cet atelier a vu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, du président de l'Université de Djibouti, Dr Jamar Mohamed, du représentant de la Banque mondiale et des éminents professeurs ainsi que donc Jamil Salami et de nombreux étudiants de l'université ainsi que doyens. Des initiatives telles que les centres d'excellence à Djibouti, le partenariat pour les compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie font partie des différents efforts entrepris pour améliorer l'enseignement supérieur à Djibouti. Je pense que le potentiel de Djibouti dans les TIC, il est très rare de voir un pays en Afrique qui les a, qui a 8 câbles sous-marins juste à côté dans le pays même, qui échoua dans le pays. C'est vrai que c'est utilisé, ça permet de générer des revenus en permettant à d'autres pays qui n'ont pas accès à ces ressources d'avoir accès à l'Internet. Mais je pense que Djibouti aussi devrait pouvoir l'utiliser pour transformer son économie et atteindre ses ambitions. Dans son discours, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a rappelé donc la volonté du président de la République de faire de Djibouti un pays où l'éducation comme l'enseignement supérieur ouvre de réelles opportunités de développement et de création de richesses à travers des formations tournées vers l'avenir et en phase avec les priorités de notre pays. On l'écoute. Depuis quelques années, notre stratégie, notre politique a accompagné la vision du président de la République de faire de Djibouti
un hub international. Et pour cela, il faut que nous puissions revoir notre façon d'enseigner, non seulement par rapport à cette vision de hub, mais également par rapport à cette vision aujourd'hui, à cette évolution, je dirais, de l'enseignement supérieur qui avance et qui n'arrive pas à suivre les changements de la modernité telle qu'elle peut être définie dans le sens d'évolution ou de progression. Il y a un terme qui est utilisé de plus en plus qui est « disruption ». C'est comme si c'était un tsunami qui est arrivé avec les nouvelles technologies et qui ont transformé la façon de voir non seulement les politiques du monde, mais également notre façon d'enseigner. La République de Djibouti se veut un pays moderne parce qu'il est jeune. Son université est jeune, ses institutions sont jeunes, donc elles sont le plus aptes à rentrer, à répondre à ces défis. Nous avons commencé par revoir la qualité de nos infrastructures, avec la nouvelle université de Djibouti qui sera bientôt inaugurée, mais également revoir la qualité de nos enseignements, de nos enseignants, de nos qualités, en apportant le maximum d'environnement favorable. Mais je pense que il est temps que nous puissions rentrer dans un nouveau paradigme, de revoir carrément notre curriculum d'enseignement. Et pour cela, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe dans le monde. Et cette conférence aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre avec donc la présence de nos deux experts qui ont sillonné le monde et que nous apporterons les conseils nécessaires pour essayer d'aller de l'avant dans cette évolution. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a visité donc samedi dernier le forage de Kalaf dans la région de Tadjoura. Sur place, donc, le ministre a été accueilli par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benouita, et du président du conseil régional, Omar Hussein, ainsi que par le responsable du projet. Le ministre a pris connaissance de l'état d'avancement des travaux du forage. Le nouveau forage de Kalaf va alimenter en eau les populations environnantes et va permettre le développement des périmètres agropastoraux de 10 hectares dans cette localité. La mise en œuvre des activités du projet est conforme à la politique conduite par le chef de l'État qui permettra donc d'offrir des opportunités pour créer des activités génératrices de revenus qui permettront de booster l'économie locale. D'avoir accès d'eau, suffisamment accès à l'eau potable. Deuxièmement, après le forage, on va faire un périmètre agricole de 10 hectares. Et d'après les études géophysiques, la quantité d'eau est assez importante. En plus, la qualité d'eau est bonne, ce qui fait que les gens pourront faire de l'agriculture. Et ce forage aussi est situé au bord de la route. Donc ils pourront amener leur production agricole jusqu'à la ville de Tadjoura, qui se trouve seulement à 9 ou 10 km d'ici. Comme maintenant, avec le changement climatique, l'élevage devient très difficile, on veut que les populations se sédentarisent autour des périmètres agro-pastoraux. C'est l'objectif de ce projet et on estime que le forage de Kalaf est situé de façon idéale pour avoir de l'eau et pour permettre l'agriculture et pour permettre à la population d'avoir des revenus. Et une nouvelle du monde, donc, Ali, le vote du Sénat américain est susceptible de mettre fin au shutdown qui a été donc reporté à ce lundi, entraînant la poursuite de la paralysie du gouvernement fédéral. Et bien donc, les États-Unis se préparent à subir de plein fouet aujourd'hui donc les effets de la fermeture partielle de l'administration fédérale à l'issue d'un week-end de tractations infructueuses entre républicains et démocrates. Initialement prévu dans la nuit, le vote du Sénat qui pourrait permettre de mettre fin au shutdown entré en vigueur samedi matin a été reporté donc à ce midi. Un compromis évoqué par les républicains consisterait à voter un budget temporaire jusqu'au 8 février en s'engageant à aborder la question de l'immigration dans les plus brefs délais. Le dernier shutdown donc remonte à 2013 sous l'administration du président démocrate Barack Obama. Il avait duré 16 jours. Merci Ali pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal extensif de programme sur Télé-Djibouti.